sommes en direct à Rockport. Regardez ces images spectaculaires de la vague qui submerge en ce moment Rockport. Des images dignes d'une apocalypse filmée depuis le ciel par notre hélicoptère. Tous les moyens sont mobilisés pour évacuer la population. Et on file à la rédaction, on fait le point avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Le nuage de poussière dû au crash de la comète Homme qui s'est produit au large de la côte Est à 12h54 heure locale a atteint San Andreas il y a quelques heures. Nos confrères de WNN rapportent que des millions de personnes auraient péri dans les deux seules villes de Palmont et Rockport, pourtant partiellement évacuées il y a quelques jours. On dénombre plusieurs dizaines de crashs aériens suite aux retombées, tandis que les tsunamis submergent les côtes jusqu'à 200 km à l'intérieur des terres. Des populations entières ont fui la côte Est, provoquant d'importants embouteillages sur les principales autoroutes du pays. L'épaisse couverture due aux retombées devrait perdurer dans les semaines à venir, sans toutefois provoquer de dommages irréversibles sur la biodiversité. Le trafic aérien est par ailleurs interrompu jusqu'à la fin de cette situation critique et les populations sont priées de limiter leurs déplacements à l'extérieur de leur domicile.